Allez, ça tout le monde, c'est Taz Récupération, se retrouve aujourd'hui pour l'épisode numéro, les amis, 94 de notre aventure 100% sur Legend Pokémon Arceus. J'espère que vous allez bien. Eh bien, vous avez vu, je pense que un petit peu, alors je sais pas si vous avez vu dans la description de la vidéo, en tout cas le planning. Oui, les amis, finalement, ben, comme, alors, il y avait un très petit pourcentage de chance. J'ai réussi au cas où à me reconcentrer, dans le sens, en fait, j'ai pris un peu de recul sur le truc. C'est que, surtout que j'ai refait mon planning derrière de mon côté, et en fait, c'est, dites-vous que c'est d'ici fin mai, donc j'essaierai de tenir ce qui est d'ici fin mai, pour à une cadence assez soutenue, ou presque soutenue, pour tenter du coup d'avoir un petit peu, on va dire, les vacances d'été de mon côté, enfin les vacances d'été, les vacances d'une ou deux semaines avant de s'attaquer à la charge dure du boulot, enfin la charge lourde du boulot. Parce que j'ai énormément de choses, mais vraiment plus que les vidéos. Dites-vous qu'il se peut que même les vidéos soient impactées, hein, je vous le dis. Alors, pour vous, l'été, non, parce que logiquement, arrivé à l'été, je vous aurais enregistré peut-être entièrement juillet, peut-être entièrement août, voire peut-être même un petit peu septembre. Mais chez moi, donc vous aurez du coup quand même des vidéos, des mini-plannings à mon avis d'ici septembre et tout ça, parce que dites-vous que ça va impacter chez moi beaucoup les vidéos, beaucoup de production. Voilà, je dois faire énormément de production, donc j'ai pas le choix. Au cas où, je vous précise qu'il n'y aura pas 4 épisodes de Hyrule Warriors Legend, qu'est-ce que je dis ? Et Legend, Hyrule Warriors, mais qu'est-ce que je dis ? Legend Pokémon Arceus, il n'y en aura pas 5, il n'y en aura pas 6, il y en aura peut-être 7. Alors, je pense même 7, parce que je voudrais arriver jusqu'à l'épisode 100 cette semaine. Voilà, donc je vous le dis, vous êtes au courant, il y aura du coup jusqu'à l'épisode 100, donc inclus cette semaine. Donc on s'était quitté, voilà, là, après avoir tout simplement avancé du coup dans les tâches Pokédex de Mustiboué. On va les voir un petit peu. Je vais vous montrer, du coup, voilà, il est là, Mustiboué. Alors, au cas où, je vous précise, aujourd'hui, on va pas s'attaquer aux tâches Pokédex. Je pense que vous l'avez vu dans le titre de la vidéo et tout. Aujourd'hui, putain, je crois qu'on est dans Breath of the Wild. Moi, j'appuie sur le bouton pour sauter, mais on peut pas sauter dans le jeu. Je suis con, moi. Alors du coup, oui, donc du coup, vous avez vu du coup, durant l'épisode, la miniature et même peut-être le titre de la vidéo, on va tout simplement terminer les flammes étranges, en tout cas une bonne partie, il ne nous en reste plus que 12 à avoir, donc on va tenter d'en avoir encore d'autres, hein, les amis, ça serait le mieux. Donc voilà, on va, ok, apparition massive, donc ouais, bon, on s'en bat les couilles, on va aller dans les terres immaculées, et du coup on va tenter d'en récupérer, déjà au moins, ça serait bien la moitié, mais bon, si on, par hasard, on tombe sur un shiny, on a tout à notre disposition, hein, des pokéballs et tout, on a une sauvegarde qu'on pourra faire, il n'y a aucun problème. Donc voilà, donc là le but tout simplement est de farmer en même temps des baies, tout en ayant si possible, les... Ah mais attendez, appelez-moi débile. Non mais vraiment, je suis con ou quoi? J'ai oublié de mettre la nuit. Ah oui, j'ai oublié de mettre la nuit. Comme un bourrique. Allez, on va mettre la nuit. Voilà. Oh non, pas boîte à objets, la nuit quand même. On va y arriver. Combien de temps voulez-vous dormir jusqu'à la nuit tombée? Voilà. Comme ça au moins, c'est fait. On a à peu près 10 minutes de nuit à mon avis, en termes de temps. Voilà, donc logiquement, souvenez-vous, dans l'épisode précédent, c'était arrêté, je crois, jusqu'à là. Donc on va y aller carrément à pied, enfin pas à pied, non, mais genre, on va y aller directement. Et du coup, on va chercher maintenant, un petit peu après ce côté-là, donc des flammes étranges. Il y en a encore plein. Alors, si on tombe sur un shiny, je vais mettre mon son très... Je suis con. Je vais mettre mon son très fort chez moi, hein, je vous le dis. En fait, j'appuie tout le temps parce que je crois que c'est le menu pause, mais pas du tout. Je vais mettre le son, voilà, un peu plus fort chez moi, en cas de shiny. Pour que je l'entende de mon côté. Alors, comme ça, au moins... Alors, par contre, pardon plus... Mais arrête! Qu'est-ce que je fous, putain! Vraiment, je fais que des conneries, quoi. Non, mais aujourd'hui, je fais que des conneries, je vous jure. Je voulais pas faire ça. En fait, je veux juste... Voilà. Ça soit beaucoup plus moins fort, mais pas non plus très fort. Parce que chez moi, après, sinon, ça va faire l'écho dans votre... Avec vous. C'est bon, C'est bon, j'ai réussi à me rétablir comme il faut. C'est bon. Alors, du coup, je crois que la dernière fois... Une des dernières flammes étranges, c'était vers là, je sais plus. Ok. Peut-être on tombera sur un autre shiny, on sait pas. Ça serait bien, non? Donc là, j'ai mis vraiment le son assez fort chez moi. Pas non plus trop pour éviter que vous ayez un petit peu les échos et tout, même si peut-être... J'espère que vous allez pas en avoir, mais vous en aurez peut-être un poil. Mais bon, écoutez. Ah oui, c'est vrai qu'il faut également voir les grottes. Oui, il y en a une là.
On a un bad chopper baron. On va quand même le mettre. Hein. Voilà. Bon, maintenant, première flamme étrange de l'épisode. Bon, au moins, on a sauvé l'honneur de l'épisode. C'est déjà ça. On a au moins sauvé l'honneur de l'épisode. Écoutez. Ouais, autant rester optimiste. Alors, il reste encore 11 flammes étranges à trouver dans cette zone, sachant qu'on sait qu'il y en a une dans le temple Framapic, là. Frampic. Alors, je veux juste savoir s'il n'y aurait pas des arbis autour de ce truc. Autour de ce rocher, j'ai pas l'impression. Et en même temps, c'est tellement... Il y en a tellement partout. Enfin, il nous en reste, je crois, 9, hein. Attendez. Il me semble. Ouais, 9 à attraper. On va le trouver quand même. Ces 9 là. Parce qu'en fait, il peut y en avoir de partout. C'est ça le problème avec ces arbis. C'est qu'ils peuvent être vraiment de partout, quoi. Ouais, je regarde parce qu'ils peuvent même être là. Eh ben, vous l'avez vu. Vous l'avez vu. Il est là. Non, non, là. Alors, par contre, du coup, on va viser comme d'habitude à côté. Eh, d'accord, super. J'ai juré, c'est vraiment ultra glitché ce truc. Super. Allez, gars. Non, mais c'est glitché. C'est bugué ce système de. Je suis désolé, mais. Je veux bien être de bonne foi, mais c'est glitché en fait. Film movie, je t'aime bien, mon gars. Hein, mais je vise pile sur lui. Il est glitché. Il est bugué. Je t'aime bien, hein, mais. Bon. Voilà. Quand c'est bugué, il faut le dire. Hein, je sais pas. J'adore hein, ce jeu. Hein, je fais énormément de choses. Je le trouve même beau. Alors, pour vous dire à ce niveau-là, c'est que je le défends ce jeu. Mais quand il y a un truc qui va pas, il y a un truc qui va pas. Je suis désolé. Hein. Putain. Oh, non, mais vraiment. Non, mais abusé. Oh. Comment tu veux y arriver, toi? C'est bugué. Que voulez-vous? C'est bugué comme ça. Allez. Oh, non, mais. Je peux reculer à fond, mais ça fera rien. Non, mais regardez! Vous avez vu? C'est pas normal! Je vise pile sur lui, quoi! Putain! Eh ben, enfin! C'est bugué, leur système! Merci pour le zarbi! Oh, je suis désolé, là! Je t'aime bien, Film Movie, mais... voilà, quand je te dis que c'est bugué! Bon, je n'engueule pas lui, hein, évidemment! Qu'il prenne bien, il n'y a pas de soucis, c'est pour le taquiner un peu. Il me disait, ouais, c'est pas bugué. Bah, bien sûr que c'est bugué, mon gars. Je t'aime bien, mais je sais que tu défends ce jeu coréen, mon gars, il n'y a aucun problème. Mais voilà, je l'aime énormément, ce jeu. Sinon, je t'en aurais pas fait sans épisode. Hein. Et je n'en aurais pas fait sans épisode aussi. Hein. Dites-vous que je l'apprécie énormément, ce putain de jeu. Ok, donc là, on va voir s'il n'y a pas de flamme étrange dans cette grotte. Non, s'il te plaît. Merci. Ok. Il y a un genre de réveil bizarre. Ok. Merci. En fait, il y a vraiment pas de flamme étrange ici. Aïe. Ça fait pas mal, toi. Je regarde parce qu'il peut y avoir aussi des... Des noix Korogu, j'allais dire. Oh putain, mais vraiment, je suis pas dedans aujourd'hui. On se comprend. Putain, je suis pas dedans. Ah, par contre, attendez, je fais ça, mais est-ce que... Attendez. Ok. Il y a peut-être un poème ici, en fait. Bah, parfait, voilà. Il fallait insister un petit peu plus, quoi. Alors, vous recevez un vieux poème numéro 12. Yes, vieux poème numéro 12, l'un des vieux poèmes que l'on peut déterrer aux quatre coins d'Izu. En jugé par la forme des lettres, ces poèmes sont l'œuvre d'un seul et même auteur. Voulez-vous le lire maintenant? Oui. Glaciale et majestueuse, infusée d'une force mystérieuse, la contrée de Izu, évoquée de Sijo, et je passe l'éternité sur la terre de l'ancien peuple de Sino, jusqu'à l'arrivée de l'être élu, qui était tant entendu. Ok. Bon, ok, pourquoi pas. Non. Là, putain, je confonds tellement les touches, c'est un truc de dingue. Ce jeu est horrible. Trop de touches. Voilà, bah parfait, c'était bien. Alors, honnêtement, bah les couilles. Zoruya, je m'en occuperai une fois prochaine. Ah non, attendez, comme ça, moi je l'ai avec. Je l'ai, toi. Ouais, vas-y, bien. T'inquiète pas, je vais t'affronter. Allez. Non, tu ne le butes pas, ce serait bien. Juste, attrape-le, quoi. Au moins une fois, quoi. Ça l'enregistre, quoi.
Allez. Ah ah, super. Non mais tu es au courant que tu fais pas mal, hein. Two rounds. On peut lui donner la baie aussi, hein. Allez. Non, il veut pas. J'ai pas utilisé une hyperbole pour lui, hein, je vous le dis. Oh, 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 calme-toi, calme-toi, calme-toi. Oh, calme-toi. Tu te calmes. Je vais pas utiliser... Non, une dernière fois, sinon je la bute. Allez. Non, il fait ça bizarrement, donc c'est pas ça. Ah si, je l'ai attrapé. Ah bah, il avait... Pourtant, il était pas... Il a fait la même chose que tout à l'heure. Bon, bah, parfait. Spécimen attrapé. Attrapé la nuit. Mais il se passe quoi? Ma foi, je sais pas ce que fait le chat, mais... Le chat, il vient de me faire une frousse. Le chat, chez moi, il vient de me faire une frousse. Je voudrais juste savoir... Pourquoi j'ai gardé un Misty Boy, je dois le faire évoluer. C'est peut-être possible, hein. Non, en fait, c'est... Je confonds tellement les touches, c'est un truc de dingue. Non, pourtant, je dois... Ah oui, utiliser Aquajet, je comprends. Ok. Ah, la grotte. On n'a jamais été là-bas. Oh, putain, en plus, avec de la neige comme ça, on va pas y arriver, hein. C'est une zone trop grande, les gens. C'est une zone trop grande. Alors, du coup, il y a quoi là-dedans, là? Non, pas ça, hein. T'as pas que le truc à droite, hein. Merci. Ah bah heureusement que je... Heureusement que j'y vais, hein. Ok. Voilà. C'est la grotte, c'est Ali Baba ici. C'est la grotte d'Ali Baba. C'est bon? Pas de zarbi, hein, on est bien d'accord. Ouais, c'est de la même couleur, donc je suis un peu... Je suis totalement daltonien, donc s'il y a un zarbi, je suis un peu dans la merde, hein. Bon, deuxième flamme étrange de l'épisode. Il reste encore 10 flammes étranges à trouver dans cette zone. Wow, 10. Ça me fait... Ça me fait... What the fuck? Ça me fait peur, hein, je vous le dis. 10? Et en plus, il va faire jour. Super. Non, vous savez quoi? Il va faire jour, donc c'est pas la peine de continuer pour le moment. Alors, jusqu'à la nuit tombée. Oui, on a mis une heure, là, tout à l'heure, au début d'épisode. On a un petit peu galéré aujourd'hui. J'ai pas l'habitude des touches de base. Moi, pour moi, toujours, quand j'appuie sur le bouton plus, c'est pour aller sur le menu pause. Pour sauvegarder ou quoi. Pour moi, c'est toujours ça dans les jeux vidéo. Donc, m'adapter à un nouveau style dans cette génération, même dans les générations des jeux. C'est pour ça, vous voyez que Xenoblade, également, je galère. Parce que les touches, pour il y a maintenant 40 minutes de pause, quoi. J'y arrive pas, moi, avec 40 minutes de pause. Hein. Enfin, minutes de pause, pardon. C'est une horreur, honnêtement c'est une horreur, je vous le dis. Hein. S'il y en avait une ou deux à la limite, mais il y en a 40 000 quoi. Allez, du coup on y va. Peut-être on tombera sur un shiny. Hein. Bah, de toute façon j'ai tout pour le shiny, donc si un shiny, on est paré. Hein. Merci. Pas de flamme étrange. Pas de zarbi. J'ai pas l'impression qu'il y a un zarbi en fait. Non, pas de zarbi, j'ai l'impression. Ouais, parce que je regarde de partout quand même. On sait jamais. Là, on arrive à la fin de la grotte. Ouais, mais ça sert à rien que tu me fasses ça maintenant. D'accord, en fait, c'est la grotte qui mène à là. Je suis vraiment débile. Ok. Bref, non, mais Farfurex, monte, s'il te plaît. Allez, non. Allez, monte! Et maintenant, on va aller de l'autre côté. Ça serait bien un petit shiny quand même. Le gars, vraiment, trop gourmand. Bah, c'est vrai que là, pour le moment, on le mérite pas. Parce que, dans le sens, si on le mérite, mais dans le sens, on n'a pas fait les tâches, quoi, d'ici. De certains Pokémon, donc. Bah, le excellent, si, quand même, on avait réussi à faire quand même quelques tâches. Parce que pendant l'épisode, on farmait. Parce qu'on avait besoin de farmer pour. Bon, on se souvient tous de Giratina, je crois. Donc, on avait fait ça, justement. Mais bon, voilà, quoi. Ça me fait peur. Je trouve pas de flamme étrange, en fait. Honnêtement, là. Il en manque 10, quoi.
Non mais ils sont où les 10? Le truc c'est qu'ils peuvent de partout. Alors on va aller dans la grotte derrière moi, ne vous inquiétez pas, je veux juste voir si... Hé hé, j'en ai trouvé une. Au moins, on en a notre troisième de l'épisode. Ouais, ce serait bien un petit 5 quand même aujourd'hui. Il reste encore 9 lames étranges à trouver dans cette zone. Donc allez, ça serait bien encore 2 supplémentaires. Comme ça on peut arrêter l'épisode là. Et on aura bien avancé. Je regarde parce que j'ai peur que je voie des shiny que je ne vois pas en fait. Parce que je vous avoue que... De base, je suis un peu bigleux. On serait clignoté. De toute façon, la dernière fois, on l'avait bien entendu. Hein. Le bruit différent du shiny. Ouais, bon. Allez, on va aller du coup dans la petite grotte là-bas. Anon, tu attends. Anna, tu attends. T'attends que papa ait fini l'épisode pour te faire sortir. C'est comme ça. Alors, du coup. Ok. Je sais pas si il y a une petite flamme étrange ici. Ou un zerbi peut-être, mais bon, je vois rien du tout pour le moment, donc. Parce que le zerbi, on peut se le foutre au cul, hein, je vous le dis. Bon, après, on en a récupéré déjà encore. Enfin, il nous en manque plus que 8 du coup. Ah, c'est dingue, il nous en manque plus que 8, hein, mine de rien. Il nous en manque plus que 8. Ah ah, une flamme étrange, on l'a trouvé. Je t'ai vu. Oh, come on. La petite flamme étrange, c'est un baron. C'est quoi ça, hein? Mais, non, 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 pas maintenant. Je t'attraperai plus tard, toi. C'est bon. Pas non plus attraper 50 000. Il reste encore 8 flammes étranges à trouver dans cette zone. De toute façon, hein, de toute façon, on va devoir tellement faire tous les endroits possibles et inimaginables pour les tâches Pokédex. Donc de toute façon... Alors, par contre... Il n'y a pas de zerbi. Je préfère quand même regarder un petit peu de partout parce que... On sait jamais là-dedans. À mon avis, il sera en hauteur parce que les zerbi, à mon avis, ils sont cachés dans des endroits où la personne ne le regardera pas... Enfin, ne regardera pas forcément directement, en fait. Ok. Putain, c'est quoi cette cavité? La grotte, elle fait 40 mètres de long. Je suis con, j'ai balancé une hyper... Oh là là. J'ai balancé une Pokéball alors que je voulais pas. Super, quoi. Alors là, s'il y a un zerbi, je suis baisé. S'il te plaît. Ouais, parce que, bon, j'ai peut-être des noix grumes sur moi, non? Je sais pas si j'ai des noix grumes sur moi. Même pas, donc, bon. Ah bah là, c'est un zerbi, je suis un peu baisé. Hein. Éthéré. Ok, obsidiane. Ah oui, il y a le genre de glace en bizarre. Je sais pas à quoi ça correspond, ça. Hein. Je m'en souviens plus, moi, ça fait tellement longtemps. Ok, si on le défonce avec ça. Tu peux le défoncer, ça? Tu peux pas? Tu peux pas. Bon, pas de zerbi ni rien. Écoutez, alors si je l'ai loupé, bah dites-moi le. Ou bah, de toute façon, je le verrai peut-être durant le montage de la vidéo, mais. Dites-moi le quand même, hein, parce qu'on sait jamais. Ouais, c'est pas évident à regarder, hein, c'est pas évident à voir. Ok. On est sorti. Ah oui, on est bien loin, quoi. On est bien loin. Alors, est-ce qu'il y a une flamme étrange sur ces piliers de glace? Oh, ok. Un baron. Est-ce que vous voyez une flamme étrange? Ah, là-bas. Yes. Bravo, vous êtes champion. Et voilà. Il reste encore 7 flammes étranges à trouver dans cette zone. Je suis content parce que du coup, ça veut dire qu'on aura au moins... Ah, on en aura récupéré 5 aujourd'hui, donc c'est déjà très bien. C'est déjà très bien. La fois prochaine, on continuera, on essaiera d'en trouver d'autres. De toute façon, il n'y a pas trop le choix. Mais ouais, on essaiera d'en trouver d'autres. Je regarde s'il n'y a pas des zerbi autour, mais non, pas du tout. Ok.
Donc là, la grotte, c'est de là où on vient, je crois, tout à l'heure, donc ouais. Ah non. Si, c'est de là où on vient, je crois. Ok. Bon. Je sais pas s'il y a d'autres arbis. En tout cas, ici, je sais pas du tout. Honnêtement, je sais pas du tout. Ah ouais, il y a une zone dense d'arbres. Genre, il y aurait pas de arbis dans cette zone-là. Après, il se peut, hein, ça se peut. En fait, ça, le problème, c'est qu'il y a trop de choses. Il y a trop d'éléments à l'écran. Bon, vous savez quoi, on va pouvoir s'arrêter là pour aujourd'hui. Je regarde quand même s'il n'y a pas de zarbis. Ouais, non, il n'y a pas de zarbis. Parce que oui, en même temps, je fais attention, j'essaie de regarder s'il n'y a pas de zarbis. On ira la fois prochaine, tout simplement. Ben, on va retourner là, il n'y a pas le choix. Mais du coup, on va, voilà, on va retourner là. Et du coup, dans l'épisode prochain, qui sera demain, dans l'épisode numéro 95, on ira tenter de trouver les 7 dernières flammes étranges. On sait qu'il y en a une là-bas, normalement, dans le temple Frampic. Donc on ira, je pense, je sais pas si on va pouvoir y aller durant l'épisode prochain, mais en tout cas, on ira. Et du coup, bah, d'ici là, les amis, portez-vous bien, ciao tout le monde, hey, peace!